Bonjour à tous. Je vais encore et encore vous emmener aux pleines villes à Ploufragan. Je voudrais bien ne plus vous en parler. Malheureusement, ce magnifique endroit est en danger. Petit rappel, c'est un ancien aéroport de Saint-Brieuc, 120 hectares. Et ça fait 39 ans que c'est une friche, comme disent certains décideurs. Et dans celle-ci, la nature, la vraie nature, a repris ses droits. Plus de 44 oiseaux sont bien présents. Et certains sur la liste rouge des oiseaux en disparition. Sans compter la faune sauvage, renards, chevreuils, sangliers, lièvres et maintenant peut-être genettes communes. Les reptiles sont aussi là, insectes. Une vraie nature sur 120 hectares. Les projets ne manquent pas, les décideurs ne manquent pas d'idées. Construire une nouvelle prison, des petits commerces, des parkings, 240 logements, rasés, ronds, genêts, ajoncs, prairies, pour mettre des panneaux solaires. Et je ne sais pas encore tout. Résultat, il faut tout raser. Et avec tout ça, j'ai un peu de chance. Il y a des zones humides. Et une nouvelle loi est passée. Moins de bitume. Il faut garder un peu de nature. Que dirons-nous à nos enfants? Pourquoi pas protéger ce lieu magique? Je vous invite d'aller voir. C'est derrière le Lidl. Avant que... Ce film va bientôt se terminer sous quand même de belles vidéos. Et n'oubliez pas de signer la pétition sur le site mesopinions.com. Stop à la bétonisation excessive de nos territoires. Non au projet sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc, situé aux pleines villes à Ploufragan. Près de 42 000 personnes ont signé contre. Stop au bitume.
n'iront-ils pas débouler avec leur bulldozer? N'iront-ils pas décimer ce bois qui m'est cher? N'iront-ils pas me chasser, m'éloigner de mes terres? N'iront-ils pas bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper, je suis en détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre, finiront-ils par le comprendre? J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire.